Oh, et puis merde. D'accord, on va essayer. Pourquoi je prends cher? Ça se joue pas pareil là, je comprends pas rien. C'est qui ces gens? Ah, d'accord. Mage gauche. C'est quoi mage gauche? Ok. Voilà qui est mieux. Ah, comme bon vieux temps. C'est qui ces guignols? Zone de qui, il a dit? Oh merde. Merde, merde, merde. D'accord. Il ne semble pas être venu en force. Non, juste quelques véhicules. Ils doivent avoir reçu de l'aide de l'intérieur. C'est probable. Il faut bien plus d'hommes et de puissants de feu pour prendre cette planète. Attendez, il y a les moissonneurs qui sont à deux pas et là on se bat contre des humains. Ah. Hey, ne m'appelez pas H. Qu'est-ce que vous savez sur tout ça? Pourquoi Cerberus? Ah, c'est Cerberus! Pourquoi je saurais ce qu'il trafique ici? Vous avez collaboré. Comment croire que vous avez rompu tous les liens? Ouais. Nous avons arrêté les récolteurs ensemble. Point final. Ils vous ont ressuscité. Confié un vaisseau, des ressources. Que ce soit clair, je n'ai plus aucun lien avec Cerberus depuis la destruction de la base des récolteurs. Et j'ignore tout de ce qu'ils font ici et de ce qu'ils cherchent. Le commandant Shepard a été sous surveillance depuis son retour sur Terre. Les communications étaient impossibles. Désolé, Shepard. C'est juste... Ash, vous devriez me connaître mieux que personne. J'ai fait un peu plus de campagne utilisée pour ces idées foireuses. Pourquoi j'ai pas de fusil de précision? S'il vous plaît, ayez confiance. Oui, c'est juste que... Qu'est-ce que c'est que... Ouais. Tout doux, lieutenant. Elle est avec nous. Shepard, par la déesse, vous êtes en vie. Lyra? Les rapports m'ont rendu si inquiète. L'attaque était violente? Ouais, c'était... dur de partir. Ashley, je suis désolée. Mais pourquoi vous êtes ici? Ordre de Hackett. Il a dit que vous saviez ce qui se passe. Oui. Alléluia.
Des réponses, enfin. Peut-être. J'ai trouvé les plans d'une machine protéenne. Elle pourrait anéantir les moissonneurs. Ici, sur Mars? Oui, dans les archives protéennes. C'est trop beau pour être vrai. J'y croirai quand je la verrai moi-même. Où est-ce qu'on trouve cette arme? Ce n'est pas une arme. Pas encore. Ce sont des plans pour la construire. C'est plus que ce que nous avions jusque-là. Où les trouve-t-on? Les archives sont au bout de ce tramway. Enfin, si Cerberus ne l'a pas verrouillé. Que cherche-t-il? Ouais, on dirait qu'ils vous veulent vraiment. Ils veulent ce pourquoi je suis là. Ce pourquoi nous sommes tous là. Pourquoi? Les protéins ont failli avoir les moissonneurs. Ils comptaient les exterminer, mais ils ont manqué de temps. Et de quelque chose d'assez puissant pour détruire les moissonneurs. Est susceptible de beaucoup intéresser Cerberus. Alors c'est une course vers les archives. On a de la compagnie. Amenez-vous. Pas cette fois, James. Quoi? Retournez à la navette. Si Cerberus atteint les archives avant nous, vous devrez couvrir les sorties. Mais... Maintenant, lieutenant. Il se rapproche. On devrait se planquer. On dirait qu'ils nous ont trouvés. Ah bah c'est leur problème, hein. Bâtard, mal. Fais évoluer. Vous finirez par sortir. Il y a peut-être à travers la vitre. Non mais sûr que non. Ah, je t'ai niqué toi. Il va vous falloir autre chose que des pistolets pour les achever, Shepard. Oh, c'est bon. T'as un mode du truc. Ils sont tous morts. Bien, trouvons le moyen de monter. Sauvegarde. Ils ont saboté l'ascenseur. Il faut trouver une autre route. Les rats. Nya. Ah, c'est vrai. D'accord. Oui. Bonjour. Cette base était sécurisée. Comment Cerberus est-il entré? Bonne question. On a d'abord reçu des rapports sur l'invasion des moissonneurs. Puis juste après, c'était le chaos. Je n'ai même pas réalisé que c'était Cerberus au départ. Est-ce qu'il serait de mèche avec les moissonneurs? C'est peu probable, mais tout est possible. Wow. Ça voudrait dire que j'ai bossé pour les méchants au début, hein. Oula. On nettoie tout. Oh, je peux faire ça? Oui. Il y a une bonne discussion maintenant. Tiens, c'est tard, tiens, c'est tard. Ah, connard de merde. Tiens, fais-moi le sortir. Pas de putain de multi-kick. Oh, je vais utiliser ces merdes. Ah, voilà. D'accord. Classe. Oula, je suis classe. Oula. Vous avez oula. Essayez d'accéder à la passerelle. Je n'ai pas accès aux commandes, mais... Et vous avez vu ça? Qui est cette femme à l'écran?
Le docteur Eva Kor. Elle est arrivée la semaine dernière. Du nouveau ? Bah, au bout de moi, ça m'avait l'air d'être... Ok. On dirait qu'il y a un chantier à côté. On passera par le toit. On peut trouver un chemin à partir de là. Bien. On bouge. Ok, roulade. Roulade. Hop là, roulade. Examinez. Examine, bâtard. Roulade. La tempête approche. Roulade. Non, pas roulade. Michel. Roulade. C'est quoi ce bordel? On dirait que l'Alliance résiste encore. Ce tramway mène aux archives. Si Cerberus y parvient, ils seront au dernier point de contrôle. Alors c'est là que nous allons. Go. Vous m'entendez? Très mal, c'est à cause de la tempête. Merde, si vous avez perdu le contact avec le Normandie, montez votre position. James, j'entends rien, répétez. Ce sas devrait être fermé. Il ne semble pas avoir été forcé. Non, il faut contourner les protocoles de sécurité. Oh, j'ai une lampe, maintenant c'est la place. Quelqu'un a vidé l'air de cette pièce alors qu'ils y étaient encore. On dirait qu'ils ont griffé les murs pour s'échapper. Putain, quelle horreur. Même pour Cerberus. Des torches. Oh putain. Quels sont les hommes? Il y a une escouade de l'Alliance quelque part. Il faut les tenir loin du cœur. Vérifiez la pièce suivante. C'est sombre ici, on éclate les fenêtres. Ouais. Ils n'ont rien compris. Voilà. Méchant. À moi. Il faut d'abord pressuriser la salle. Et voilà, nous avons accès au labo. Et de là, nous irons à la station de tram. Eh, on dirait un enregistrement de ce qui s'est passé ici. Ah. Station de sécurité, vous êtes là? Il se passe de drôles de choses par ici. Nos protocoles de sécurité se sont déclenchés, tout est verrouillé. Docteur, je vous ferai un rapport dès que... Attends, mais je veux voir cette tête. Faites-moi voir cette tête. Nous savons comment Cerberus est entré. J'aurais dû m'en rendre compte en la croisant. J'étais trop absorbée par mes propres recherches. Ouais. Arrêter les moissonneurs devrait être notre seul objectif. C'est pas votre faute. Et si nous nous trompions? Si nous ne pouvions rien faire contre eux? Oh. Et si nous passions nos derniers jours à courir partout en essayant de résoudre un problème insoluble? Allez, Liara. Je sais, je ne devrais pas penser comme ça. Je ne sais pas comment vous faites. Vous restez toujours concentré, même dans les pires moments. Ouais, voilà. Face à de tels enjeux, je pense à tout ce que je perdrais si jamais j'échouais. C'est un fardeau bien lourd. On les aura, Lyra. Ensemble. Merci, je veux vous croire. Bien, la porte est ouverte. D'ici, on peut aller au labo et à la station de tram. Bien, allons-y. Non. Là, tu peux avoir... Ah, bien. Je prends. Ok. Ouais, une tête. Oh putain. Thank you.
comment on fait prendre une grenade? Attends. Ouf. Mais non, pas. Sniper, hein. C'est bon, le voulez. C'est quoi cette puanteur? Ils ont activé les protocoles de décontamination. Avec le personnel à l'intérieur. C'est quoi ce truc rouge? C'est ici qu'ils étudiaient les diverses reliques déterrées. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Trop de choses pour que ça tienne en quelques mots. Et ils n'ont pas creusé très loin. Il y a des coffres remplis de données protéines qui n'ont pas encore été étudiées. C'est la ligne de tramway. Elle mène droit aux archives. Cerberus a dû la boucler. Nous devrions pouvoir régler ça à la station de sécurité. Go, go, go! C'est juste par là. Wow, ça crème. Attention! Sans blague. C'est la seule entrée? La seule à ma connaissance. Nous allons contourner, restez à couvert. Ok, la seule entrée, on va contourner. Ne la laissez pas vous viser! Z, il part d'espace. D'accord. Restez à couvert, je pars. Gardez la tête baissée. Oublie. C'était n'importe quoi. Gardez la tête baissée. D'accord. La tourelle ne peut pas nous tirer dessus d'où on est. Ok. Non, on va prendre ça. Ah putain, il est trop blindé. Je suis pas très fusil à pompe. Hein. Putain. Tiens, dans ta tête. Petite balle, d'accord. Oh merde. Quelqu'un peut pas me le faire voltiger ce bâtard. Dresser un périmètre, personne ne passe.
pour voir sa tête, putain. Personne. Et coupez-moi ces caméras. On dirait qu'ils ont atteint les archives. Et on dirait bien qu'ils ne sont pas disposés à envoyer un tram. On peut le contrôler. Les archives sont sur un autre réseau. Nous sommes bloqués dehors. Pas complètement. Et si nous trouvions un émetteur à courte portée, casque à casque? Et? Et que nous les persuadions que nous sommes des leurs, et que les troupes de l'Alliance sont éliminées. Bonne idée. Tâchez de trouver ça. Quoi? Le lieutenant-commandant est devenu très compétent. Effectivement. Shepard, j'ai quelque chose. Ça donne quoi? Il a un émetteur dans son casque. Si j'arrive... Oh, oh, oh d'accord. Dieu, on dirait un zombie. Pas vraiment. Mais ils lui ont fait quelque chose. C'est certain. Modifié? Par Cerberus? Ils prétendent défendre l'humanité, mais ils infligent ça aux leurs. Non, c'est pas Cerberus qui a fait ça. Ça aurait pu être vous, Shepard. Pour moi, c'est ce que Cerberus vous avait fait. D'accord. Vous me comparez à cette chose? J'ignore ce que vous êtes, depuis qu'ils ont mis la main sur vous. Êtes-vous vous-même? Qui êtes-vous? Ne peuvent-ils pas vous contrôler? Ash. Je vide juste mon sac. Pas besoin de répondre. Rien de ce que vous pourriez dire ne me convaincra. Je suppose qu'il me faut du temps pour vous redécouvrir. Pour trouver l'homme que j'aimais. Homme que c'est couille, la fille. Je suis le même qu'avant. Ash, écoutez-moi. Je vous veux avec moi, quoi qu'il arrive. Voilà ce que je voulais entendre. Bien. J'étais à deux doigts de dire dans ce truc. Faire venir ce tram ici. Allô? Allô, ici Delta. Est-ce que vous me recevez? Qu'est-ce que vous faisiez? Oubliez ça. Quel est votre statut? Nous sommes à la station de tram pour extraction. L'ennemi est éliminé. Bien reçu. L'escouade éco arrive pour sécuriser la station. Ils marchent, d'après vous? En tout cas, ils seront fixés bien assez tôt. Nous devrions nous placer et les prendre de flanc à la descente du tram. Bonne idée, lieutenant. Bon, en tout cas, ils sont plus humains. Donc, A. Je m'y colle. Ah, d'accord. On doit peut-être se brouiller. Et voilà. Non, 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 pas maintenant, pas maintenant. D'accord. Le sable. C'est bon ou je tape dessus, c'est con? Oh, fais-moi brûler ça. D'accord. Fais-moi brûler. Ah, il est bon. C'est un bout. Je vois que dalle. Oh putain, bouclier. Boîte aux lettres. Non. Oh. D'accord. Sauvegarde. Oh non. Oh non. Le choix.
Ah putain! Notre pompe là. Eh, vol mon ami. Go, 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 go! Pas plutôt bien. Oui, ça confirme mon avis sur la valeur des données contenues ici. D'accord. Il y en a combien, c'est des jeux là, merde. Ah, c'est 7 pour les grenades. Tango. 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 Allez. Putain. Ah, il est déjà mort. Il me faut mal. J'ai un peu abusé là. C'est un bouffe. C'est un bouffe. Oh merde. Putain, putain, putain. Oh putain, j'ai plus de grenades. Tu peux pas me faire rouler ces fumiers? L'homme trouble. Ah, Shepard. Mon ami. L'homme trouble? Fascinant, ces protéins. Ils nous ont
laissé tout ça à découvrir et nous avons tout dilapidé. L'Alliance a connaissance de ces archives depuis plus de 30 ans. Et elle en a fait quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que j'ai toujours voulu. Les données contenues dans ces artefacts sont la clé du problème des moissonneurs. Votre solution, je la connais. Vous changez votre peuple en monstre. Ils sont améliorés. Nuance. Ah oui? Voilà ce qui nous différencie, Shepard. Là où vous voyez la destruction, je vois le contrôle. Le contrôle du pouvoir des moissonneurs. Imaginez la puissance de l'humanité si nous les maîtrisions. Vous êtes allé trop loin. Les moissonneurs nous tueront tous si on n'arrête pas ces querelles. Je ne vous demande pas de comprendre, Shepard. Et je ne cherche certainement pas votre approbation. Vous étiez un outil, un agent à but unique. Et malgré nos différends, vous avez plutôt bien réussi. Mais comme le reste des reliques ici-bas, votre heure a sonné. Assez parlé. Yara. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Je ne vous le redirai pas. C'est noté. Shepard. Quoi? Les données, elles ne sont plus ici. Elles sont effacées. C'est qui ça? Au revoir, Shepard. C'est qui ça derrière? Merde. Comment il fait ça? C'est local. Quelqu'un doit envoyer les informations. C'est qui? Eh! Éloignez-vous de la console. Allez! Ah, c'est pas celle que je croyais, ça va. Il n'empêche que c'est une salope. Elle a les données! On la chope? Elle est plus rapide qu'elle en a l'air. On la colle, la laissez pas filer. On se poursuit là. Putain, la salope! Merde, on part là. Ah, il faut ouvrir la porte, d'accord. Quoi? La voilà! Sur elle! Elle s'enfuit! Attention! Je l'ai chopé. Sérieux là? Qui est... Vous me recevez? Cerberus a les données. Contactez le Normandie, qu'il débarque tout de suite. Oui, pourquoi? Elle est où, merde? Allez, je suis presque. Oh, d'accord, je peux même pas la choper en fait. On a dû sauter. De Normandie, quelqu'un. Je la tiens. Je la suis pas. Tiens, allez. What? Mais bon, de toute façon, c'était soit ça, soit se fuir. Il nous faut ces données. Qu'est-ce que... Achevez-la.
Attrapez ce truc. On l'emmène. Je sais pas. Des signes de moissonneurs en orbite. H. Allez, H. Je vais vous sortir de là. Bon, elle va survivre, je crois bien. Non ? Si. Ashley a besoin de soins médicaux. Il faut quitter le système, Helios. Je sais. La citadelle est notre meilleur espoir. On y trouvera de l'aide. Joker, capture la citadelle. Bien reçu. Ash, tenez bon. Ça va, elle s'est pris quelques bosses. Voyez ce que vous et Idea pouvez tirer de ça. Passez-le-moi. Je passe dans la salle des transmissions. Shepard, vous me recevez ? Commandant ! Idea, tu peux améliorer ça ? Je ferai de mon mieux. Vous avez atteint les archives ? J'en reviens. L'homme trouble était là. J'avais peur que Cerberus tente quelque chose. Vous avez les données ? La plupart. Il en a téléchargé avant que je puisse l'arrêter. Idea et Liara analysent ce qu'on a récupéré. Vous avez appris des choses ? Ça valait le coup ? Les premières informations indiquent que les données seraient le plan d'une machine protéenne. Une machine ? Une arme, massive par la taille et la portée, capable d'infliger une destruction colossale. Envoyez-moi ces données. Nous ferons notre propre analyse. Si Liara a raison, on tient peut-être l'arme qui mettra fin au moissonneur. Je l'espère. Ashley est blessé. Nous l'emmenons à la citadelle. Je suis désolé, Shepard. Même si on sait tous les deux que ce n'est que le début. Allez voir le conseil. Montrez-leur ce que vous avez trouvé. Avec un peu de chance, ils vous appuieront. Et s'ils refusent ? Mon point dans leur gueule. Faites ce qu'il faut pour les convaincre de se joindre à nous. Je vous recontacte bientôt. Enquête terminée. Ok. Idea extrait les données de la machine de Cerberus. Et H. J'ai fait mon possible. Elle a grand besoin. L'amiral a raison. Ça va empirer. Hein ? C'est ça ? Si on n'arrête pas les moissonneurs, oui. J'ai regardé les données. Cette arme pourrait être la solution. Si on arrive à la construire. Je me trompe, ou vous n'y croyez pas vraiment ? Hein ? Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait sur Terre ? Comment une seule arme pourrait les arrêter ? Quels sont nos choix ? Vous savez qu'on n'y arrivera pas par les voies standards. Commandant ? Ça vaut au moins le coup d'essayer, non ? Oui, allez. Je vais voir l'état d'Ashley. Assurez-vous que tout soit prêt pour notre passage devant le Conseil. Je suis sûr que le Conseil fera le bon choix. Putain, la guerre sera courte s'ils ne le font pas.